Hey, bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, un peu courte hein, quand même, histoire de commencer cette sixième rentrée gentiment, et où après avoir vu le film Cliffhanger la dernière fois, et n'ayant pas assez de matériel pour vous en faire une autre, puisque j'estime avoir un peu tout dit, j'ai eu envie de vous tester un jeu adapté du film. Alors bon, j'aurais pu vous faire la version NES avec un Stallone vert pour je ne sais quelle raison, complètement naze et répétitif, que ça en est même pas marrant, où tu passes ton temps à casser la gueule à des loups et des piafs tout en faisant des séquences de plateformes débiles, et où tu meurs quand tu bouges pas pendant un certain temps. Non, j'ai plutôt eu envie de vous montrer la version Mega CD, puisque ça change un peu, on voit rarement des jeux Mega CD. A noter qu'elle ressemble pas mal aux versions Super NES et Mega Drive, mais avec un petit plus, histoire de faire ainsi une pierre deux coups. Et là, bon, on va faire style que j'insère le jeu, hein, mais je déconne, je l'ai même pas, parce que les frais de port ils coûtent trop cher, et le machin n'existe qu'en version US. Du coup, c'est sur émulateur, hein, mais on va faire comme si. Et le jeu commence, déjà par le logo Mega CD. C'est normal. Mais également par une vidéo un peu beaucoup pixelisée sous forme de trailer du film, du jeu qu'on va voir. Et là, sans plus attendre, on prend le deuxième contrôleur et on fait O, gauche, C, B et A. Comme ça, on a 99 vies et ça mange pas de pain. Et en cliquant sur Story, on peut se mater toute la séquence du centre financier à Denver, Colorado. Puisque s'il y avait vraiment une scène du film qu'il fallait retenir, c'était absolument pas la chute de la gonzesse au début, mais bel et bien celle-là. Avec également tout le braquage en plein ciel, la fusillade, la chute des bagages, le crash de l'appareil et l'appel de détresse, soit 5 bonnes minutes de cinématique, ce qui est quand même assez beau gosse, je trouve. Et en appuyant sur Start ensuite, rebelote, tu te tapes la séquence où Simon et Garfunkel sont pris en otage, le visionnage du radar, l'escalade de Sly, la découverte de la première valise, Al qui gueule, puis quand ils essayent de descendre Sylvestre de la montagne, et enfin, on peut jouer! Ah non, mais j'ai rien contre les cinématiques, mais waouh! Les contrôles, bon, bah c'est du classique, hein, rien de bien folichon avec un coup de poing, un coup de pied, tu peux sauter avec C, tu peux sauter en donnant un coup de pied, tu peux faire un coup spécial tournoyant et bah c'est marre. Ouais. Sachant qu'il faut moins de coups ici pour bousiller les types que sur la version Super NES, ce qui est une bonne chose hein, parce que bordel sur SNES c'est méga laborieux. Notez qu'on a également la musique du film en qualité CD à l'arrière, mais pas de peau, ça sera la seule piste de tout le jeu. Voilà, maintenant dès que je regarde le film, elle m'énerve. Après, c'est du classique, t'as que deux types de bonhommes pour le moment, le producteur de musique à queue de cheval d'un côté et l'abruti au couteau de l'autre, sachant qu'on peut ramasser les couteaux ainsi que les armes à feu, et ça c'est cool. Et tu as des séquences de plateforme. Ce qui a toujours été à chier dans les beat'em up parce que le gameplay est pas fait pour ça. Du coup, tu te tapes des sauts ultra rigides et c'est vachement relou. Surtout avec la vue en pseudo 3D comme ça, parce que t'as du mal à juger. Et déjà, rien que dans Double Dragon, bah tu voyais que ça marchait pas. Je comprends pas pourquoi ils s'acharnent encore à faire ça. Ah, et tu as aussi des séquences d'escalade supra fastidieuses avec des snipers planqués un peu partout que s'ils te touchent, tu peux tomber et crever si t'es déséquilibré. Avec un pattern un peu foireux pour les balles, franchement, je kiffe pas. Par contre, quand tu arrives à un feu de camp, ça te redonne un peu tes points de vie et te donne aussi un checkpoint. Et ça, c'est quand même super sympa. Et après avoir escaladé toute la falaise et échappé aux snipers qui n'ont que ça à branler de la journée, finalement, de rester ici pour réussir à choper un mec, tu attaques une séquence de surf, ok, qui me fait beaucoup penser à ces passages en voiture dans Batman Returns, et où tu te demandes pourquoi il fait du surf. À quel moment il fait du surf dans le film? Et surtout, comment ça se fait qu'il a trouvé une planche de surf en pleine montagne, tout seul? Ah oui, parce que le temps que tu te poses ces questions et que tu cherches à savoir comment avancer, t'as une avalanche qui te tombe sur la gueule. Évidemment. Du coup, tu appuies sur B pour avancer et après avoir bien galéré ta race, arrivé au premier obstacle... J'ai appuyé sur saut, j'ai appuyé sur C, pourquoi il a pas sauté? Mais vous avez foutu le bouton A pour le saut cette fois? Qui fait ça? Qui change les boutons en plein milieu du jeu? Car oui, alors que tous les niveaux précédents tu faisais C pour faire tes petits sauts, cette fois tu dois appuyer sur A, démontrant que les niveaux de surf et les niveaux de baston furent développés par deux équipes différentes qui se sont même pas concertées pour savoir quel bouton allait sur quoi. Et si au départ tu te dis « Oh là là, un gameplay qui change, c'est cool !» Attends un peu parce que, bon, comme Batman Returns sur la même machine, ce passage, joli il est vrai, devient de plus en plus difficile avec au départ des petits cailloux à éviter, puis des troncs à la con, des murets en pierre avec des yuccas dessus, des petits interstices, puis des murets avec des interstices. Et comme les obstacles ne sont visibles qu'au dernier moment, il faut mémoriser toute la séquence. Mais attends, une fois arrivé à la grotte, tu te dis que c'est fini. Mais non, tu as encore une autre partie à te taper avec de nouvelles complications. Yaaah ! Comment je passe ça ? Oh god. Oh god. Oh god.
Putain, en plus j'ai choisi un jeu avec de la neige parce que j'avais chaud, mais là, merde! Et avant que vous vous exclamiez sur mes prouesses vidéoludiques, hein, j'ai perdu plus de 40 vies pour mémoriser juste ce passage. Parce qu'en plus, le gros problème avec le scrolling parallaxe bilinéaire de ce genre de niveau, c'est que la gestion des collisions est ultra imprécise, donc des fois tu te bouffes des trucs que tu devrais pas, ou inversement. Et passé la seconde grotte, tu as perdu tellement de vie à cause de la difficulté aberrante avec tous les trucs t'obstruant tellement l'écran que tu pourrais quasiment y jouer les yeux fermés. Bon, ça changerait rien d'y jouer les yeux fermés. Parce que, à force de crever et de recommencer, tu finis quasiment par pouvoir y jouer les yeux fermés. Et t'as l'impression d'être Anakin dans la menace fantôme, utilisant uniquement la force pour te repérer. Alors oui, après ça impressionne, hein, mais t'en chies mon pauvre. Et à la troisième grotte, parce que ça en finit pas, hein, comme dans Batman Returns, il te change complètement les règles du jeu, en te mettant carrément des énormes rochers qui tombent. Mais attention, avec un sadisme digne de Jigsaw hein, dans Saw. C'est pas tu vois un rocher à gauche, tu vas te coller à droite. Non, parce qu'en plus, ils vont te faire tomber le bousin à des rythmes différents, que tu dois donc aussi anticiper. Exemple, si tu vois qu'il tombe de suite, tu te colles de son côté, et si tu vois qu'il met une plombe à chuter, tu dois filer direct de l'autre côté. C'est hyper stressant. Le summum parvenant vers la fin du niveau où la chaussée se rétrécit, les rochers s'accélèrent, tombant de tous côtés à la fois, et tu finis par ne faire plus qu'un avec ta planche, planant sur le cosmos tel un Patrick Swayze astral porté par Norin Rad et autres références à des surfeurs connus. Les dieux me transportent, voilà tout. Et pour les derniers instants, ils n'hésitent même plus à te balancer foule de rochers et petits interstices, c'est merveilleux. Mais tu t'en fous, t'as enfin passé le niveau. Mais heureusement, après avoir perdu, bon, 90 vies hein, sur les 99, tu as enfin une cinématique avec Judy qui cause, puis qui se fait déposer, pendant que Sly il grimpe. Et ensuite c'est rebelote, hein. Les queues de cheval ont désormais des usis avec de nouveau des séquences de plateforme, des types au couteau, le bon vieux moment de la cascade avec des troncs d'arbres, on rigole, on s'éclate. Ah, et j'ajoute aussi que la maniabilité est un peu chaotique, parce que Sly peut courir si tu appuies deux fois sur une direction, bon ça c'est du classique. Mais là où ils ont fait fort, c'est que parfois cet abruti va se mettre à accélérer même après un saut, du coup tu sautes beaucoup trop loin et tu meurs. Tout ça parce que ce con a compté deux inputs, alors qu'il y a un saut entre les deux, ça devrait pas courir. Ah, et quand tu te fais toucher, des fois ton personnage il avance plus, c'est méga frustrant. Mais à part les chevelus et les fanas du couteau, t'as aussi des boss. Comme ici, Eldon qui avait pas des cheveux lui à l'origine. Bah, c'est un peu méchant d'exagérer sa calvitie, le pauvre. Et... C'est sérieux, c'est ça ton pattern, le saut en longueur. Et une fois battu, tu as droit à une cinématique, se déroulant donc dans le film de nuit. Où, alors déjà tu voyais rien à la base, mais là, c'est carrément navrant avec une qualité vidéo pareille. Et séquence de gameplay de jour. Ok. Avec le pont du film. The Bridge of Death. Bon, et t'as juste à passer au-dessus des trous. J'ai horreur de ce genre de piège de merde. Comment tu veux que je sache que tu fais ça? Et après, ça devient rock'n'roll. Tu bastonnes Kinet, l'homme de main noir du film, qui est noir ici donc ça marche, mais devient blanc dans les niveaux suivants. Et qui, là, se bat à coups de dynamite dans la flotte, parce que, pourquoi pas. T'as le sempiternel niveau de la grotte avec chauve-souris et stalactite à foison, hein, ce qu'on n'avait encore jamais vu auparavant dans un jeu vidéo, accompagné d'un passage curieux où Sly se fait poursuivre à l'extérieur par les chauves-souris, qui te butent en un coup, où t'as pas assez de marge de manœuvre pour sauter au-dessus des précipices, et autres bûches à la con, là, sachant aussi que si tu sautes trop près des bords, bah Sly il arrête de courir, et donc tu meurs. S'ensuit à nouveau une séquence de surf. A pour le saut, A pour le saut. Oula, t'as sûrement dû buter des indiens, je sais pas, toute la montagne t'en veut. Parce que t'as même les sapins qui s'y mettent à la fin. Et là, je sais même plus comment j'arrive à passer tout ça. Jean-Michel, pas de chute. Une pléiade de sketch sans chute avec le motard. Je suis motard ! Ah, je suis motard ! Et enfin, après une dernière séquence d'escalade où tu échappes encore une fois au sniper et où à chaque fois que tu arrives sur une plateforme, tu te fais défoncer la gueule parce que tu ne peux strictement rien faire, c'est assez sympa, tu te tapes contre Ryan et là, c'est la petite vengeance puisqu'en se mettant juste sur sa tronche, la console ne comprend plus rien. Et de ce fait, le personnage ne bouge plus et tu peux tout simplement le vaincre. Pareil pour Traverse, hein, si tu te mets sur lui, voilà, la machine ne comprend que dalle.
C'est assez simple, en vérité. Puis, alors, cinématique avec la fin du film quand Lightbow il laisse partir Judy et que Sly balance le sac dans les balles, et pour le dernier niveau, qui est une horreur, tu dois parvenir à descendre la falaise tandis que l'hélico te pourchasse en bouffant les deux tiers de l'écran et que si tu te prends les balles, tu meurs. Avec un sniper accroché aussi, là, alors qu'il n'a rien à foutre ici, pendant que QLN te bazarde de la dynamite dans la gueule, ce qui n'est pas super sécure. Mais bon, vu toutes les avalanches qu'on a déclenchées tout à l'heure, avec toutes nos vies perdues, là, je pense qu'il ne reste plus grand-chose hein, sur la montagne. Donc, sans aller trop vite, hein, parce que sinon tu meurs, tu dois parvenir tout en bas de la falaise, afin que l'hélico te balance 4 clampins, dont un avec une mitraillette s'il vous plaît, puis canarder l'hélico, tout en évitant les balles de sniper, ainsi que les dynamites, et tout ça avec une seule barre de points de vie s'il vous plaît, parce que sinon on recommence le niveau entier. Notez qu'on n'a pas le droit de toucher l'hélico autrement qu'avec une arme, sinon on meurt aussi. C'est incroyable. Et enfin, une fois parvenu... Ah non, mais ça c'est trop moche comme animation. Non, je mets 0 pour l'effort. C'est enfin le combat contre QLN, qui m'a l'air beaucoup plus grand dans mes souvenirs. Et il suffit de spammer les coups comme un bâtard pour qu'il soit désarçonné. Avec le petit coup en traître hein, quand tu perds une vie et que tu apparais, ça fait toujours plaisir. Voilà, maintenant c'est la fin du film, un suppo et dodo. Bah bordel, c'était pas bien. T'as toujours les mêmes niveaux, sans la moindre diversité, 5 variétés d'ennemis différents, avec des chevelures à la con. T'as même pas de shop pour balancer les mecs dans le vide, c'est assez consternant. Une seule musique, et t'as que les niveaux de surf au final qui restent sympatoches, que tu peux même refaire tout seul une fois le jeu terminé. Et en vérité, eh ben, je ne sais même pas comment, effectivement, en 93, ils auraient pu faire pour rendre un jeu cliffhanger bien. Du temps de la PS1, on aurait probablement eu un machin en 3D avec des séquences de grimpettes un peu péchues, mais là, ouais... C'est peut-être le meilleur jeu qu'on puisse avoir sur un truc cliffhanger. Enfin, moi, le seul jeu cliffhanger que je connais, c'est un jeu d'arcade, sans aucun lien avec le film, qui ressemble plutôt à Indiana Jones, où tu tabasses des nazis, mais avec l'écran devenant très vite surchargé, du coup, bon, c'est un peu chiant. Sinon, il existe un autre jeu cliffhanger qui est sorti en 1983, mais qui est là, par contre, enfin vous le voyez, une adaptation du film Le Château de Cagliostro de Miyazaki. Mais c'est un jeu laserdisc hein, sur Lupin 3, donc ça a l'air bien dit comme ça, hein, mais c'est juste le film. C'est juste des extraits du Château de Cagliostro, et des fois, des voix, mais complètement bizarres. Et dans le cas de Cliffhanger, le jeu tiré du film Cliffhanger, eh bien ouais, la version Mega CD est la meilleure version. Je la conseille pas vraiment, mais ne serait-ce au moins juste par curiosité pour voir autant de cinématiques sur un CD. T'as quasiment tout le film dedans. Et on se retrouve une prochaine fois pour une future vidéo avec un film qui est quelque part par là. Ouh. Cliffhanger from Sony Image. Sure, it's just a game.